Hello, coucou à toutes et à tous, c'est Jody Dream, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau truc, un nouveau bidule, une vidéo test sur un jeu qui n'est pas encore sorti, mais dont la démo est disponible sur Steam. Maintenant, je ne sais pas au moment où cette vidéo sortira, si elle sera toujours disponible. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir si le jeu vous intéresse. C'est un jeu de survie post-apocalyptique, et j'avoue que ce genre de jeu me plaît de plus en plus. Donc voilà, le jeu s'appelle Vayne, et on va le découvrir ensemble. Je vous souhaite un très bon visionnage. Je vous annonce en fait que la chaîne ici est passée en partenariat avec le site GoClayCD. GoClayCD est en fait un site où vous pourrez trouver les jeux les moins chers sur le marché. Tout simplement parce qu'il compare les différents sites qui vous proposent des clés de jeux. Et là, vous pourrez trouver le moins cher et vous l'offrir si vous en avez envie. Autre chose, grâce à GoClayCD, il m'offre la possibilité de faire des giveaways pour vous faire gagner des jeux et pas que. À chaque giveaway, vous avez une chance de gagner, eh bien, une console, tout simplement. Pour le prochain giveaway, ce sera une Nintendo Switch. C'est quand même vachement cool. Donc voilà, maintenant c'est pas sûr qu'on va gagner une Switch, mais voilà, il y aura une personne qui sera tirée au sort dans les champs qui participeront, et cette personne aura un jeu ou une Switch. Ça sera au hasard. Donc déjà ça. Vous aurez bien sûr tous les liens en description de vidéo. Maintenant, au niveau du giveaway, possible qu'il soit déjà été fait au moment où vous voyez cette rediffusion. Personne qui sont en live là avec moi, il n'a pas encore été fait. Donc, je vous mets le lien pour vous inscrire. Bien sûr, l'inscription est gratuite, hein, sinon, c'est pas drôle, hein. Donc, voilà. Je vous laisse vous inscrire. Et dès que j'ai 20 inscrits, eh bien, nous ferons le giveaway au live où j'aurai vraiment les 20, hein, je tiens à préciser. Donc, voilà. Eh ben on va commencer à jouer notre petit jeu là, je vais le lancer. Pum pum pum, il est là, Vayne. Oh là là, j'espère que ça va aller, je stresse comme une grosse débile. C'est n'importe quoi. Bien tenir compte du fait que c'est un jeu qui est encore en développement. Oh! Cette petite musique! Je m'en jaille. Excusez-moi. La meuf là qui en peut plus. Attendez, je vais juste être sûre que ça ne gueule pas. Hop, je vais pas mettre le son trop fort. Bon, déjà, ce qui est cool, c'est que de base, il en fenêtrait. Ça, j'aime. Quand je passais d'un truc à l'autre, ça c'est pratique. Paramètres, on va regarder. Donc, le jeu, donc, window full. Window it? Ah oui, bah oui, full screen fenêtrait. Champ de vision 90. Merci. Oh, Prétoré, merci pour le follow, mon gars. Comment ça va? Donc, FPS 60. On est en ultra. On va jouer en ultra. En théorie, l'ordi que j'ai est censé le tenir. Donc voilà. Alors, Prétory, j'ai un de mes hommes qui est dans le chat. Je sais pas s'il va apprécier, tu vois. Je sais même maintenant, peut-être qu'il est parti entre-temps, mais. Donc, je tiens à préciser qu'il ne s'est rien passé entre Prétory et moi. Un trip à la con, ok? Oh purée, je m'attendais pas à ça. Il est pas incroyable ce mec, il est pas incroyable. Pas incroyable. Pas incroyable. Soit. Donc. Avec fond des touches, quand j'arrive un petit peu, je sais. Ok. S. Voilà. Vers la date. Vers la droite. Courir, ouais. Sauter, space. S'accroupir, je vais mettre C. Ah non. Ah ouais, mais non, ça va pas être pratique. Utiliser E, ça me semble logique, vue libre, T. Certaines personnes, middle house button, ok. Faut de temps en temps. Non, à mon avis, ah, je crois qu'il a dû partir, peut-être qu'il est fatigué, c'est possible. Il n'y a pas de soucis, Prétu, en tout cas, merci beaucoup pour ton coucou, ça c'était gentil. Et bon courage pour le taf, du coup. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. Ici, je pense que les deux, c'est censé aller.
Ouais, voilà. Appliquer. Ah non, attendez. Recharger R, oui. Voir les munitions. On va faire B pour balle. Discussion. On met T pour talk. Émote. On va laisser A. Ouh là là, ça a l'air véhicule ascent, descent. Ok. J'espère que ça sera bon. lampe torche. Sur F. Ouais, inventaire I, ça me semble logique. Map M. Désolée, j'essaie un petit peu de... Ok. Ok. Donc globalement, c'est presque comme dans PZ. A plus ! C'est presque comme dans PZ. Jouabilité. Inverser souris. Basculer l'accroupissement. Degré Celsius. Unité de poids en kilo. Sauvegarde auto. Pour le moment, le jeu est en... Ah ! Je peux le mettre en français. Head bob. Player name, show chat. Parce qu'il y aurait moyen de jouer en multi, hein, ce jeu-là, je tiens à préciser. Voilà, audio. Ok. Ok. Oh là, je flippe. Coucou, Ginouille. Bienvenue à toi. Bah voilà. Bon. On y va. Ah, je flippe. Donc, attendez. Base damage, skin zombie and other player damage base. Oh la musique! Excellent! Tir de tête seulement, non. Ok, il y a moyen de paramétrer les damages que des zombies et tout. Ok. Oh mon dieu! C'est le stress! Ah, je peux pas faire mon personnage? C'est vrai que chez Paco, il y avait moyen de faire son peut-être maintenant. Wouh ! On a eu des boobs à un moment. On va essayer de refaire Daina. Daina. Morning Star. Corps. Bah quoi ? Ah voilà. Je fais suivant. Ah! Ok, je peux choisir. Oh mon dieu! No! Ah, body type. Ah, super, on peut mettre un peu entre les deux. Oh, trop bien! Couleur d'yeux. Les yeux bleus. Par contre, on voit ses lolos au travers, ma chérie. Donc, on va choisir d'autres cheveux que ça, hein, parce que c'est pas ouf. Glamour. Attends, ça, c'est glamour. Excusez-moi. Attends, ça c'est punk, ça, mon gars. On n'a pas la même notion du glamour. Long. Queue de cheval. Ouais, les textures, c'est pas ouf. Hein. Heureusement qu'on sait que le jeu est encore en développement. Zoom. Shy. Chauve. Plaqué. B-
Bon, le jeu est encore en développement, je tiens à le préciser. On va partir sur Shai. On va partir là-dessus, c'est ce qui me semble le mieux. Voilà pour les cheveux. Face. Ok, on peut vraiment... on peut faire un personnage littéralement comme dans les Sims. Alors ça, c'est trop cool. Ça, c'est trop trop cool. Hauteur cloison nasale, ok. Ok, regardez-moi ça, c'est trop bien. Le détail. Ah, oh, je lui ai fait un long nez. Ok, hauteur. Attends, regardez un peu tout ce qu'il y a moyen de choisir. C'est un truc de fou. L'arrondi du visage. Ah, on peut le mettre un peu plus vieux aussi. On peut faire un visage beaucoup plus vieux, en fait. Genre, un peu marqué... Ah oui, ça c'est le plus vieux, à mon avis. Visage anguleux. Ok. Taille du visage. Ok. Oh, on peut vraiment... Ah, vieillesse. Ah, voilà, c'est ça, en fait. On peut vraiment faire vraiment plein de trucs, en fait. Oh, c'est super. Visage plat. Ah oui, non. Non. Ah, c'est génial. Oh, dites. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça trop bien. Bon, je t'avoue que là, je vais pas passer mon temps à faire un personnage super précis. Moi, là, c'est juste pour tester. Donc, voilà, là, je suis déjà très contente. Et dans Body, lourd. Ah, on peut faire une... Ah, super! On peut faire des gros! Des gros ou des minces? Bah, écoutez, je vais pas la faire trop mince. Parce que moi, je suis pas trop mince. C'est juste dommage qu'on peut pas mettre plus de boobs. Ah, je peux faire quelqu'un de vieux. Voilà, on va la mettre un petit peu vieille et un petit peu plus en rondeur. Voilà, c'est pas mal. Ah, je peux faire ça, paste. Ah non, copie. Ah non, j'ai fait une couille. Pardon, j'ai fait une connerie. Moi, je voulais Shai, voilà. Copie, voilà. Ah, donc on peut peut-être sauvegarder le truc, du coup, ce qu'on a fait. Suivant. Ah! Donc, notre personnage, ici. Ok, donc là, remaining tags, marquez trois statistiques pour vous, spécifiques dans celle-ci. Cela accorde à votre personnage un bonus de statistiques initiales. Ok, donc il faut que je choisisse trois choses. Que mon personnage pourra faire. Maintenant, on voit not implemented yet, donc ça veut dire qu'il n'est pas encore dans le jeu, mais que ça sera bientôt dans le jeu. Ok, qu'est-ce que je peux mettre? Votre capacité à faire pousser des cultures, câblage à chaud, immunité, la force de votre système immunitaire, furtif, votre capacité à être silencieux, votre œil, récupération, votre œil pour des ressources précieuses. Je vais prendre ça. On va mettre vitalité. Conduite, on va pas mettre. Ça ne sert à rien, ça serait mentir. Agilité. Bon, allez, on va mettre ça. Agilité. Suivant. Ah, je peux choisir ma profession. Agent de police, artisan. Agent de police, vous avez trait dans les forces de l'ordre d'une petite ville, manipulation d'armes, réparation, conduite, artisan. Ok, donc en fait, vous pouvez créer tout un background à votre personnage. C'est vraiment comme dans Projet Zomboid en fait. Conspiracy théoriste? Vous croyez que les zombies apocalypse... Et vous voulez rester dans votre maison? Non. Dis-leur, oh mon dieu. Développeur de jeu, électricien, fermier, garde forestier, livreur, mécanique, médecin, musicien,
non préparé. Ouvrez un bâtiment. Politicien. Pompier. Religious leader. Vous, il y a tellement de choses. Regardez-moi ça. Regardez, c'est un truc de fou quand même. Ah non, là je suis au bout. Voleur. Vétéran. Sans emploi. Et là, vous avez immunité, vitalité, récupération, sociabilité, démontage. Ah, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal pour les gens qui ont envie vraiment de faire du RP avec leur perso et tout. Je pense que ce jeu va... parce que je sais qu'au niveau de GTA V, il y a des serveurs un peu, voilà, un peu RP, quoi. Zombies, post-apo. Et là, pour le coup, on va mettre... Je pense qu'on va mettre sans emploi. On met un petit peu tout. Ah, je vois que ça nous a habillés d'une certaine façon, à mon avis. Ah, ça nous habille différemment, suivant... Oh mon dieu, un politicien, tu as le chapeau. En voleur, ok. Vétéran, ok. On va regarder un peu les tenues. Pilote, ok. Ouvrier. Musicien, ok, c'est ça. À mon avis, je pense qu'à mon avis, avec le temps, ça va changer. Ça va changer. Donc, suivant. Unique. Les particuliers offrent des défis supplémentaires aux joueurs avancés. Vous pouvez les ignorer si vous le souhaitez. Donc, en fait, je peux mettre... C'est quoi ? Un défaut. Ok. Donc, allergie aux arachides. Votre personnage est allergique aux cacahuètes. Anosmie. Votre personnage ne peut distinguer d'odeurs telles que du contenu liquide. Ok. Couch potato, manger des aliments... Ah, là je vois que c'est en anglais, donc ça n'a pas été traduit. Eating cooked food. Ok. Daredevil, cause panique, ok. Diabétique. Intolérant lactose. Sensible aux électroniques. Nomade. Quelqu'un qui voit pas bien, you need glasses to see clearly, donc vous avez des lunettes pour voir clairement. Pâle, on peut prendre facilement des coups de soleil. Nomade, vegan, végétarien. Oh, c'est cool! Oh, c'est trop bien ce jeu! On pourrait mettre... que j'ai besoin de lunettes. Intolérant au lactose, si vous faites un truc, ça fait, tu vas commencer à prouter et... Bon, on va prendre ça. Donc, on peut sélectionner le début. Redford, New York. Ok. Oh là là, je suis... Là, nous allons rentrer, les amis, dans le jeu. Je suis comme ça. D'ailleurs, je flippe tellement que j'ai froid. Je vais mettre ma petite laine, si vous voulez bien. Parce que quand j'ai peur ou que je suis angoissée, je mets ma petite laine. Hop, on met la petite laine. Et je me rends compte que j'ai bavé de l'eau sur mon bureau. Tout va bien. Voilà. On va même aller jusqu'au bout. Le pilou-pilou jusqu'au bout. Bon. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, pas. Oh, je sais que les deux sont terminés. Ok. F10 pour le menu. Ok. D'accord. Oh. Voyons voir un petit peu. Là, je vois un petit peu autour de moi. Troisième personne. Ok. Ouah, la souris. Attendez. La souris est super sensible. Jouabilité. Ah, je vais la baisser parce que là, c'est un truc de fou. Ça va me faire péter un plomb, ça, si c'est aussi sensible. Hop. J'ai cliqué sur appliquer, continuer. Ah, c'est déjà mieux. C'est pas encore ça par contre, attendez. C'est pas encore... Ça ne me va pas encore. Mince, j'avais cliqué sur quoi? Ah, je sais plus. Sur des touches. Ah ouais, c'était dans jouabilité. On va encore un tout petit peu baisser. On va mettre à 15 et 15. Appliquer et continuer. Beaucoup mieux. Est-ce que je peux fouiller? Oh! Ah, ça c'est ce que j'ai sur moi.
cartouche 9 mm. Je prends. On prend. Diviser la pile. Charger les munitions. Le chargeur est plein. Ok. Hop. Tenir. Ok, clic droit pour clic droit pour viser. Je vais fouiller. Graines de citrouille, tournevis, assiette. Il y a vraiment moyen de fouiller tout en fait. Non. Balle magique, batte de baseball. Oui, non, on va taper les zombies à la coup de batte de baseball. Oh, une carte. Équipée. Une aiguille à coudre. Écoutez. Ok. Des bijoux. Oh, des bijoux. Bon. Est-ce qu'il y a des aides? Ah, on peut toquer aussi. Je surveille, hein. Je sais pas où il y a des aides. Beniz. Je sais pas ce que j'ai pris une boîte. Je sais pas ce que c'est. Colis. Téléphone portable, allez. Je sais pas si ça va me servir. Ah, une valise. Attendez, je vais fermer la porte. Non. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Des antibiotiques. Ça peut être bien, ça. Des médocs. Oups, là. Oh, je stresse. Je l'ai éteinte. C'est pratique, on appuie sur E pour tout. Est-ce que je peux fermer les rideaux? Oh, la musique. Oh, le stress. J'ai pas de nourriture? Non, j'ai pas de nourriture. Couteau à beurre, cuillère. C'est compris comme des armes. Vas-y, je vais te tuer avec mon couteau à beurre et ma cuillère. Oh, bandage. Graines de citrouille, ça, je m'en fous. Graines de citrouille, Osef. Anyway. Oh, la musique. Oh, pot de cacahuètes. Pain beignet, je prends. Parce que notre personnage va avoir faim au bout d'un moment. Couteau à beurre, boîte de sachet de thé, bouillon de légumes, croissant. On fouille, on prend tout ce qu'on peut. Hein. School backpack, ça peut être bien ça. Est-ce que je peux équiper? Porter. Est-ce que je peux mettre des choses dedans? Comme si je fais ça. Voilà, si je fais ça. Écoutez, je sais pas si ça s'est mis dedans. Ah, si je clique sur différentes choses. Ah, ok, vous devez boire un peu d'eau pour survivre. Ok, d'accord. Ok, ça c'est déjà bien. On sait un petit peu voir, parce que notre personnage, dans le fond, ça va être un Sims. Hein, Ah, de la peinture. Qu'est-ce que vous en pensez du jeu jusqu'à maintenant, pour le moment? Pourri, croustille, de maïs fraîche, panier de reçu. Pronto détergent, boîte de conserve. Rebut de papier, carte. Je prends. Par contre, faut que je fasse parce que je sais qu'à un moment, excusez-moi, quand mon personnage peut avoir vraiment bandage. Sac de gym, ça peut être bien. Il peut à un moment avoir trop de trucs sur lui
et se dire écoute meuf, t'es mignonne, mais là je sais plus rien porter là, donc et marcher beaucoup moins vite. Filtre voiture, ok. Là j'ai rien, ok. Est-ce que je peux... Oh putain, c'est la nuit. Ah, boire, je peux boire. Ah, you drank some liquid. Ok, j'ai bu quelques trucs. Là, ça met nous. Oh putain, j'ai vu un zombie! C'est occupé, madame! Mais viens, rentre! Mais tu viens? C'est par la porte! La porte le pousse en fait, mais j'ai peur de me faire aggro. Mais j'ai pas envie qu'il casse ma porte. Bon, tant pis. Allez, meurs! Créature de l'enfer! Ah bah voilà, il est mort. Ah, accessoirement, il a glitché dans le mur. Bon. Le zombie n'a pas pu nous trouver correctement, mais écoutez, c'est déjà un début. Non, 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 non! Non. Ok, donc là je scroll, c'est très bien. C'est très bien. Nous allons fermer les rideaux. Non, hop. Voilà, comme ça les zombies ne nous verront pas. On va éteindre la lumière ici. Voilà. Ah, je peux pas fermer. Par contre, c'est trop bizarre. Je peux fermer les trucs, mais je peux pas voir. Attendez, je vais juste regarder à l'étage ici s'il y a des zombies qui bougent. Truc que je vais faire. Réglage. Audio. Je vais baisser la musique. Parce que ça, en vrai, on s'en bat les... hein. On va mettre le son comme ça. Parce que la musique, en vrai, moi, je m'en fous, tu vois. Moi, je veux juste pouvoir entendre les aides arriver. Ah. Hop. Je peux pas ? Ah, ok, je pensais que c'était... Ah. Ok, non, je peux pas. Y a pas de salle de bain ici? Bon, c'est éteint. Y a pas de salle de bain. On ne se lave pas. Est-ce que je peux dormir? Lit. Dormir. Ah, j'ai un petit peu faim et... Ah, voilà. Ok, on y est. Bon, j'ai un petit peu faim. On va regarder un peu ce qu'on a, ce qu'on peut aller trouver. Hop, si je fais I. Barre de caramel. Manger. Vous avez mangé de la nourriture. Mes stats. Personnage. Est-ce qu'elle a... Ah. Non. J'aurais juste voulu voir si elle avait faim ou pas. Ah, affamée, elle a faim quand même encore, hein. Assoiffée. Voilà. Donc ok, ok. Donc ok, il faut quand même... Ouais, c'est pas ouf, hein. Oh là là, mais dites. Bon, manger, ça a soif. Ok, c'est bon à savoir. Manger.
j'ai encore faim, quoi. Manger. Manger. Petit creux, mais elle a la dalle. Petit creux, mais elle a tout le temps faim. C'est quoi cette meuf? Magazine Pussycat? L'immunité, quoi? Quoi? Bon, écoutez, on va boire encore on va boire, histoire d'être bien, et on va aller voir pour d'autres maisons. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Ah purée, elle m'a fait peur la Janine. Ah putain, mais qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Mais ça va, calme-toi, j'ai pas insulté ta mère. Je vous avais dit que j'aurais un runner tout de suite. Je vous l'avais dit. On m'a dit, mais tu vas voir, machin, il a pas beaucoup. Il a couru vers moi, il m'a vu, il a dit, tiens la grosse, ça va être mon casse-croûte, là je vais me la faire. Il m'a confus avec son pique-nique le bâtard. Attends, mais un deuxième, quoi! Tu vas te calmer, Janine! Calme-toi! Hey, je suis pas venue ici pour souffrir! Ah mais attends, mais non! Mais ils sont 10 000! Et c'est vraiment ça, je suis pas venue ici pour souffrir! Mais attends, mais Paco, il en avait mis 3! Il en avait 3-4, Paco, c'est tout ce qu'il avait! J'ai mon mari qui fait une sieste à côté, d'attendre m'entendre gueuler comme une pauvre conne, là. On va essayer d'aller à la maison à côté. Non, les maisons là, elles sont mieux. Putain. Mais c'est ça, je suis pas venue ici pour souffrir. Littéralement, j'inouille. C'est quoi ça? Ah, c'est un mec qui est mort. Ah là, il y en a encore un. On va pas courir après eux, hein, on est d'accord. On va fouiller les maisons. Hé hey. Il va me voir. Tu vas... Même mon fils fait des bruits plus sympas que toi. En même temps, normal, c'est un bébé. Meurs. Mais t'en mets du temps à mourir. On se protège, hein. Ah. Personne. Il y en a dans la maison. Antibiotique. Je prends. Il y en a un par ici. Ah, il est là. Allez, calme-toi. Bah oui, tu rampes. Hein. Tu rampes. Hein. Mais... Tape dessus! Bon. Lightbox, c'est de la merde. On va faire ça autrement. On va essayer avec le bolt. Et quoi? Tire! Bon bah quoi là? Attendez. Bon. Les gars, votre... Ah mince, il m'a un peu fait mal. Il m'a un peu fait mal. Allez. Je l'ai eu. J'ai entendu du bruit. On va se protéger. Bandage. J'ai entendu du bruit tout près. Hein. Je suppose que t'entends de le... Donc il y a peut-être un à l'étage, peut-être. Est-ce qu'il y a un étage? Non, il est mort. On ferme.
Attendez. Voilà. Ah, je vous jure, je suis, mais en alerte complète. Ils sont pas censés me voir, en théorie. Hein. Voilà. Ah, crème glacée. Poisson surgelé. Peut-être pas. Lingette, je prends. Nourriture pour chat. Peut-être pas... hein. Muffin. Ok. Ok. Par contre, carton de lait et soda, on prend. Confiture de fraises, on prend. Est-ce que je peux dormir ici? Non, je peux pas. Il n'y a pas d'autre... Ah, j'ai pas été fouiller l'armoire ici. Planche de bois, graines de courge, batterie de voiture, GPS. Putain, j'ai flippé ma race, le bâtard! Il est où, il y en a là? Bah oui! Ah, il pleut! Il meurt! Il pleut, il y a le temps. C'est trop bien! Ok. On va aller à la maison là. Qu'est-ce que vous pensez du jeu, les amis, en tout cas? Moi, j'aime beaucoup. Ah, douleur, j'ai un peu mal. Allez, meurs! Il est mort? Il y a des bruits de télé à l'intérieur. What? Je vais brièvement fouiller les lieux. Ah, il y a un lit ici. Hop. Ah, on va pouvoir faire une sieste ici. Sinon, niveau prise en main, le jeu est vraiment bien. C'est vraiment très agréable de jouer avec. School backpack, ok. Ah, room glace. Excusez-moi. Portée. Et donc du coup... Oula. Dites-moi aussi sur YouTube un peu ce que vous en pensez. Cadre photo, échiquier, carte, gym bag. Bandage. Bande élastique. Quelle récupération. Oh! Ah, je suis mouillée et j'ai... je suis mouillée et j'ai soif. Est-ce que je peux... oula, changer de vêtements. Si je fais jeter et si je fais hop porter, est-ce que je suis moins mouillée? Non, je ne suis pas moins mouillée. Peut-être falloir que je me sèche. Ah, ici on a peut-être des choses. Ouais, je vois que j'ai encore faim. Bandage compressif, je prends. Attelle, trousse de premiers soins, bande élastique, attelle médicale, super, on a tout ce qu'il faut. Ah, est-ce que je peux... ah non, je peux pas me laver, mais je peux boire. Ah, si, je peux me laver. Ok, hop là.
Je vais essayer de... hop. Voilà, comme ça on est... Je suppose que ça protège, hein. Rebut de papier, bougie... Il y a peut-être des choses ici qu'on pourrait manger. Anana ! Akiro, est-ce que t'es là ? Ok, je prends la pêche, je prends la bouteille d'eau. Nettoyant pour vitre, paquet de cigarettes. Y a pas de soucis, Jinui. Bon courage à toi. De toute façon, dans 20 minutes, on arrête. Hein. Moi, le but, c'était juste barre de crème laitière, crusty maïs fraîche. Enfin, mon but, c'était vraiment de découvrir ce jeu avec vous. Oh, regardez, on peut cuisiner. Andouille cuite. On peut cuisiner, ça, c'est cool. Huile de cuisson. Biscuit à la vanille. Biscuit aux pépites de chocolat. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Super. Qu'est-ce qu'on a ici ? Graines de courge, carte. Ok, du journal. Eh ben, les amis, franchement, je trouve ça très cool. Est-ce qu'on n'essaierait pas de se faire une autre maison ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, est-ce qu'on a peut-être des choses ici ? Télé, paquet de cigarettes. Du cannabis ! Yeah ! Ah, attendez un peu. Stylo ! Est-ce qu'il y a moyen ? Je vais regarder un truc. Open map. On est où, nous ? Ah, c'est peut-être vous êtes ici. Je sais pas. Soit. Ah ! On va fermer tous les volets des maisons qu'on a visitées. Hein. Je tiens à le préciser, ce sera plus facile. On va aller voir la maison juste ici, qui m'a l'air immense. Là, je vois qu'un Z. Ah, j'ai avancé en agilité. J'ai gagné un point d'agilité. Le jeu est très facile à prendre en main, je tiens à le préciser. Il y en a là. Je vais la tuer parce que sinon... Enfin, je vais mettre fin à ces jours qui sont déjà finis, mais au moins, comme ça, on n'aura pas une surprise. Ah ! Putain, il m'a fait peur, le bâtard ! Ah ! Il va trop vite ! Putain, mais il m'a vu, mais il s'est téléporté comme un ninja, le bâtard ! J'ai eu trop peur. Sa mère. Oh, j'ai eu trop peur! Ici. Voilà. Excusez-moi pour les cris. J'en suis sincèrement désolée. Mais, voilà. Ah, c'est nul ça qu'on peut pas... Par contre, je suis trempée au max. Oh, cette télé de merde! Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des mécaniques qui sont très proches de PZ. Hein. Peut-être essayer de me mettre devant. Le jeu a pas l'air méga punitif. Ça, c'est déjà bien. Masque analgésique, bandage, masque box. Ok, je prends. Papier toilette, antibiotiques, bandage compressif, super. Est-ce que je dois faire popo ? Ok. Trophée, ok. Ici dans les boîtes, dossier complet. Batterie. Ah, je peux m'asseoir sur la chaise.
Ok. Pas super intuitif pour le coup de se mettre debout. Nous avons Ali ici aussi. Polo shirt. Journal. Boîte de mouchoirs, dossier vide, bloc-notes, colis. D'accord. Dans le panier à linge, il n'y a rien du tout. Coucou Alana. Oh mais écoute, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, la rediff est dispo là pour le moment sur la chaîne Alana, mais c'est possible que je la retire. Et vous aurez ça de toute façon en petit format sur ma chaîne, sur la chaîne YouTube en fait. Donc voilà. Cuir en bois, mais il s'en conserve. Et là, je teste un nouveau jeu, Lana. Enfin, nouveau jeu, boîte de chocolat chaud, boîte de lait raffiné, bouillon de légumes, soupe aux légumes. Voilà. Nettoyant pour vitre. Je vais boire du nettoyant pour vitre. Je vais pas du tout être malade. Bouteille de ketchup. Petit pois. Allez. Hareng en conserve. Ah ok, donc récupération, ça je pense que c'est les trucs que je trouve. Casserole, j'ai envie de... Comment est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Est-ce que je peux mettre... On va tester tout, hein, autant y aller franco. La casserole. Voilà. D'où. Si je mets ma boîte de petits pois. Boîte de conserve. Ingrédients. Ah, ok, il faut... ok. Spatule. Je ne comprends pas ce que je fais. Attendez, stop, arrêt. Ok. Écoutez, je tente des trucs, hein. Tomate. Et boîte de conserve. Je tente des trucs. Du riz, je vais mettre du riz. Par contre, j'aimerais bien quand même une fourchette. Fourchette, fourchette. OK. Ah, de l'huile de cuisson, galette de riz. Bouteille de... bol en porcelaine, voilà, c'est ça que je veux. On va retirer ça, on va mettre le riz. Riz basmati. Je sais pas ce que je fais. Idea. Oui, ça fait clairement penser à Project Zomboid. Bon, écoutez. I have no fucking idea de ce que je fais. Donc, dans un premier temps. Voilà. Ah oui, je vois qu'on peut... ici, on en est où? On a encore le temps de faire une maison si on veut. Oh, regardez tout ce qu'il y en a, les aides. Regardez là, il y a Ghislaine là qui a l'air chaude là pour que je lui dé... pour que je lui mette ma batte de baseball dans la face.
Peut-être rester sur le côté des maisons. Ils me verront peut-être moins. Là, on a déjà fait celle-là. Oh, j'ai faim, les gars. IRL, j'ai faim. Je regarde ce qu'il y en a qui peuvent courir. Hein. Alors, autant Paco, lui, a eu la chance tout à l'heure quand il avait joué au jeu en mode « Ah, ça va, c'est cool !» Et moi, là, je me suis déjà fait charger par deux, là. Là, je suis complètement trempée aussi, parce que c'est pas drôle. Ok. Alors ça, le concept des trucs, ça j'aime bien. Ah, je peux pas baisser. Voilà. De ces vides, de l'insuline. Ça c'est cool ça. Donc du coup, pour ceux qui sont diabétiques, tu peux trouver de l'insuline. Ça c'est bien ça. Lunettes cool. Portée. Ici. Pelle à poussière, ok. Ah. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? Oh! Du poulet! Nettoyons pour vitre. Nettoyant pour vitre. Cuillère. Plat à four. Ok. Écoutez, on va réessayer de faire un truc, écoutez. Ok. Si je fais ça. Attendez. On va faire du maïs. On va prendre la tomate, le poulet, le steak congelé, le beurre. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Bœuf grillé. Un bœuf. Donc, si je mets du beurre, si je mets le bœuf, le steak, si je mets le plat, il est le plat. Je vais te comprendre un truc. Oh l'orage, on va rester ici je crois. On met tout ça ici en attendant. Je vous avoue être un peu en stress, on va rester un peu... Wouah! J'ai mes fesses qui viennent de se serrer, les amis, mais un truc de fou. Ah, mais la drache, on est trempé en plus. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Ah, serviette! Ah, je peux peut-être utiliser ça pour me sécher. Se sécher. Tordre. Ah, je suis encore un peu mouillée. Oh, mais c'est trop génial. Tordre. Ah non, merde. Ok. Ah, je peux pas dormir ici. Écoutez, j'ai une serviette déjà, c'est déjà pas mal. Par contre, je n'ai pas, il n'y a pas de chambre dans cette maison. Il prend tout le cannabis qu'elle trouve. Une bouteille de bière, ouais, on va se mettre bien, les amis. On va se mettre bien. J'ai pris tout ce qu'il y avait ici. Des deux shampoings. Hop, spa masque. Oh, dans la poubelle, il y a moyen de foutre les poubelles.
Il y a moyen de fouiller pourri d'hydrate, demi-artichaut. Ok. Bon, écoute, on a notre truc, on va peut-être essayer de... Ouais. On va refermer la porte ici. On va aller en face, en espérant qu'il y ait... On vient de là, je sais plus. Non, on vient de là. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Je vais passer par l'arrière. Parce que je vous avoue que là, ils sont un tout petit peu trop nombreux pour moi. Donc on va être en mode fufu. Ah, un champignon ! Un champignon. Je peux pas le cueillir ? Non. Un à deux. Trois. Osef, je cours. J'ai trop peur. Je vais par la porte ici. Oh, ce flip! Ah, les amis, bientôt je mettrai Fall Life, dernière maison que je fais, puis après on mettra Fall Life. Ça aurait été une belle. Par contre, donc, mon avis, les hitbox sont pas toujours ouf quand les zombies rampent. Les textures des cheveux, c'est vraiment pas ouf, alors que j'ai quand même un très bon PC. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'aime beaucoup le système comme ça, avec les volets, le fait de fouiller et tout. Ça fait très pensable Project Zomboid, mais ça me plaît. J'aime beaucoup ce jeu, donc voilà. Mask Box, le fait qu'on doit fouiller, enfin voilà, les points qui montent comme ça, c'est vraiment très très chouette. Ah, porte-serviette. Est-ce que je peux pas, genre, déposer ma serviette? Non, je peux pas. Ah, je peux me laver. On a une très belle chambre ici, les amis. Ah, par contre, je peux pas... Closing hanger, ok. Oula. Par contre, ici, j'ai la sensation qu'il y a moyen d'avoir de qu'il y a aussi un truc, mais j'ai pas l'impression qu'on le voit, qu'il y a un paquet de cigarettes, ok. Ouais. Qu'il y a un store, là, mais on n'arrive pas à le baisser. Mais en tout cas, mon capteur ne le voit pas. Enfin, le curseur ne le voit pas. Hop. Hop. Ok. Hop, voilà. Oh merde, on avait laissé tout dans l'autre baraque, je suis con. On a laissé toute la bouffe dans l'autre maison, je suis partie. Oh mais la débilus. Oh mais je suis trop con. Je suis trop débile. Je suis trop débile. Boîte de petits pois, ok. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que je vois qu'on sèche. Je vois qu'on sèche un peu au fur et à mesure qu'on rentre dans le truc. Par contre, là, ici, c'est un petit peu bugué. Là, ici, curtain encore. J'aimerais bien pouvoir fermer les rideaux, en fait. Ça me frustre d'avoir ces rideaux qui sont grands ouverts, alors qu'en toute logique, la logique voudrait qu'on sache les fermer. Hop. Ah. Oh, une lampe torche, ça peut être utile. Eh ben, c'est pas mal. Eh bien, très chers amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, voilà, j'aime bien. J'aime bien ce jeu. Je le trouve vraiment très chouette. Il y a un potentiel de fou. Niveau maniabilité, je le trouve très bien. Il est très facile à prendre en main. Il n'y a pas 10 000 trucs. En plus, quand on voit... Ah, j'avais pas vu qu'on voyait en haut à droite l'heure qu'il est, la date et tout. On est en 2033. Oh. Oh. C'est du solo uniquement. En tout cas, il y a du multi.
Il y a moyen d'avoir du multi. Mais voilà, là, ce qui se passe, c'est que j'étais en démo. Donc voilà, je le rappelle, ce jeu s'appelle Vein, donc V-E-I-N. Et là, pour le moment, vous pouvez le télécharger gratuitement sur Steam pour le tester. Et voilà, la démo est actuellement. Maintenant, je ne sais pas combien de temps les devs vont laisser ça ouvert. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a une petite autosave qui se fait quand même assez régulièrement, je vois. Toutes les 5 minutes, donc là, c'est vraiment super cool. Ouais, moi, franchement, en tout cas, je me réjouis de voir un petit peu la suite. J'ai bien aimé et je pense qu'on va suivre le développement de ce jeu d'assez près. Parce que voilà, j'aime bien, franchement. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Les personnes qui m'ont regardé sur YouTube, ben, je vous invite à faire pareil. Je me suis pris quelques petits flips quand même. J'espère qu'il y aura des clips qui ont été faits. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à y jouer. Les mécaniques sont relativement réalistes. C'est vraiment sympa le fait d'être mouillé comme ça. C'est vraiment cool de pouvoir tordre les trucs. À mon avis, je pense que ce jeu-là, quand il sera sorti, qu'il y aura du multijoueur, il y aura pas mal de serveurs RP, à mon avis, qui ouvriront, j'en suis sûre. Parce qu'un jeu comme ça, il y aura vraiment moyen, je pense, de se créer un bon truc, un bon petit univers. La customisation du personnage aussi, c'est vraiment chouette. Ouais, franchement, je vais vraiment le suivre de près. Très très bon, ouais, j'ai bien aimé en tout cas. Et bien sur ce, les petits amis, moi je vais vous laisser ici, que ce soit au niveau de YouTube ou même de Twitch. Ceux de Twitch, restez parce que je vais vous envoyer sûrement chez quelqu'un, on va sûrement raid quelqu'un. Et ceux de YouTube, en tout cas, le petit pouce en l'air, le petit commentaire pour me dire un peu de ce que vous avez pensé de ce jeu. Bah voilà, je vous fais des gros bisous YouTube, prenez bien soin de vous et surtout restez vous-même. Ciao ciao.